m'appelle Sherazade, j'ai 36 ans. Je suis atteinte d'un lupus érythémateux depuis l'âge de 8 ans. Ça fait donc 28 ans que je vis avec cette maladie. Je me suis réveillée un matin, paralysée de mes membres inférieurs. Je ne savais plus marcher. À 8 ans, on m'a annoncé que j'étais atteinte d'une maladie qui s'appelait le lupus. Et on m'a dit, c'est une maladie avec laquelle tu vas vivre toute ta vie. Et une maladie qui ne se voit pas de l'extérieur, mais qui est très très lourde. J'ai commencé à avoir des problèmes de tension très très jeune, à l'âge de 11 ans. J'ai fait une paralysie faciale, j'ai fait une cellulite de l'œil, j'ai fait une paralysie de mon pied gauche. J'ai fait plusieurs épisodes comme ça dans ma vie où la maladie se réveille. À 21 ans, je voulais déjà un enfant. J'ai accouché à 7 mois et je me suis battue pendant les 7 mois parce qu'on m'avait dit que peut-être je n'arriverais pas au bout de ma grossesse. Et j'ai eu mon enfant, mon premier enfant. Non, ça c'est de... Puis j'ai eu envie d'un deuxième enfant et c'est là que les problèmes ont commencé. Après 3 semaines, ma grossesse s'est interrompue. Parce que j'étais à un stade de la maladie où mes reins étaient vraiment atteints. Ma fonction rénale a continué à se dégrader jusqu'à il y a 3 ans et demi, où là, j'ai commencé à faire des dialyses. Je n'ai plus que 6% de fonction rénale. Je dois rester 4 fois par semaine, 3 heures et demie, accrochée à une machine pour filtrer mon sang. J'ai la dialyse qui soigne mon atteinte rénale et je continue à prendre mon traitement pour... reprendre une vie normale.